Them only come around like two quarker sandals and no back to. He talks them with where them don't matter. When trench town man stop laugh and block off traffic, them can't stop it. Some say them a playboy run alone. Allez. Pour l'instant, ils s'amusent. Ouais. Dans 6 mois, ils sont dans un gang. Ils l'ont abattu comme un lapin. Jack, tu m'entends? Tu vas m'en dire des nouvelles. Hé, hey, attendez-moi! J'ai buté cet enfoiré de Valence! Salut, Sando. Comment ça va, les jeunes? Non, mais on ira demain, je te jure. Ouais, vous avez intérêt. Faire ce que t'as à faire, compris? Ouais, j'y vais. Salut. Saloperie de bagnole! De qui tu parles? De ce type. Capable de faire un boulot d'adulte, moi. C'est tant de pognon. Sûr qu'un jour t'en gagneras plein. J'espère. Eh ben ton pote se trompe, mon gars. Je te l'avais dit. Ouais, mais toi aussi, tu te trompes. Jamais personne ne me fera peur. Sinon, moi, je sais où il y en a un. Où ça? Vas-y, dis-le-moi. Je vends rien à Starship. En fait, je viens pas pour ça. Alors que... Ok. Salut, gamin. Toi, va le chercher, toi. Bon, rien. Hé, hey, Roll! Ouais, j'arrive. Va faire des courses, Jean. Prends 2 boîtes de sardines et du pain. Tourne en Amérique et dis à ta mère de te faire cuire un steak. Mauvaise graine. Et elle dit que je suis un bon à rien. Ouais. Ouvre la porte du couloir, la livre. Hey. Ouais. On y va. Qu'est-ce qui arrive? Tu t'es fait mal? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? D'accord, d'accord. Prenez le pognon, ne me tue pas. Nom d'un chien. Oh. Surveille les parages. Moi, je vais en donner une partie à Sando. La famille en Amérique? Mon père, mais je le connais pas. Et que je retourne chez ma mère. Moi, t'as qu'à venir. Je dirai à ma mère qu'il faut que tu vives chez nous. Viens là, toi, tourne au contrôle. Pensez à m'apporter quelque chose en contre. Errol Williams. Une question, alors réponds. Rick. Un type qui est parti vivre là-bas à l'école du crime et qui revient ici, nous dont on n'a pas besoin ici. Mais je suis là pour vous surveiller, tu sais. Agent Simpson? Oui, inspecteur. Prenez. Voilà comment je vis, mon frère.
Hey Biggs, tu viens là que c'est devenu le gangster plus redouté de la Jamaïque. Ah ouais? Ouais. Respect, mec. Loot ta baraque, mon frère. Encore un pas et t'es mort. Qu'est-ce qui te prend, Max? Une lame, ça vaut rien contre un foin. Gwen. C'est Blacka, hein, mon petit frère. Tu te souviens de lui, pas vrai? Blacka, merde, t'as changé encore au lit. Hein? Ouais, mais c'est plus un bébé. T'as vraiment aimé, franchement. J'aurais préféré. T'en fais pas pour moi, Bix. Tout va. D'accord. Tout va bien. Bon, j'y vais, à plus, ok? À plus, mec. Ce sont de vrais monstres qu'on est en train de créer. Regarde. Ils toquent n'importe où et à n'importe qui. Ouais, et ils ont de l'appétit. Ouais. Tu vois tout ça, ce que je veux dire. J'ai... Écoute, mec, c'est grâce à toi tout ça. Parce que c'est. Je connais pas cette Jamaïque-là. Tant loin d'ici. 20 ans sans mettre les pieds sur cette putain d'île, tu te rends compte? Ça veut dire quoi, ça, putain de Jamaïque? Je brassais des millions de dollars aux États-Unis. Je contrôlais pas des mensonges. Alors tu comprends cette vie-là? Faut que je te dise un truc. Entreprises et commerçants, les types qui tiennent des bars ou des restos, ils nous payent. Pour leur sécurité, on est 100 fois plus efficace. Je te demande ce que c'est, sinon t'appelles ça comment, toi? Je dis que c'est du capitalisme. Faut que tu gagnes ta croûte. Si tu te laisses aller, les gens te traitent dessus. Eh, tu sais, fallait que je fasse devenir le patron de cette île. Ouais, pour deux. À votre service. Salut, poupée. Monsieur Chin, il y a des messieurs qui veulent vous voir. Monsieur Chin, vous avez le loyer? Écoutez, laissez-moi une semaine, là. Mais vous et moi, on a passé un accord. Ouais, sauf que vous... Yo, c'est ça votre vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'ils croyaient, que c'était un jeu vidéo? Eh ben non, c'est pas un jeu, c'est la réalité. De Miami. De quel quartier? Bien de lui. Où est-ce que tu vas? Reviens, faut que j'aille pisser. Commande une autre bouteille de... Ah, vas-y. Non, je me souviens pas de toi, discute, je te connais pas. Discute pas avec lui, écoute-le. Si, écoute-le, je t'ai dit. Souviens. Every time I hear the crack of a whip. Descendez de car. Police. Merci. C'était qui? Mad Max venait de se faire buter. D'autres? J'ai pas. Non, le faux pas, c'est l'inspecteur Lane qui l'a fait. Lane est un représentant de la loi. Et Blacka et Mad Max, les deux coupables du meurtre de leur homologue. Écoute, viens me voir au bureau, ce sera plus simple. Blacka l'a un peu cherché, je trouve. Je vois ce que tu veux dire, et t'as pas tort. Mais ça fait longtemps que cet enfoiré d'inspecteur s'est... Oui. Le politicien que je viens d'appeler... Politicien? Moi, je te jure, j'ai confiance en personne. Je suis curieux d'entendre. Mais Valeris, infâme alone, kidnappe police friend, respect. Asseyez-vous, messieurs, je vous en prie. Monsieur Andy. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation? Car je ne veux pas du. Mon petit frère, il n'avait pas à le tuer. Voyons, Wayne, vous êtes tous trop nerveux.
vous et votre équipe. Pour faire... La police, la police! Monsieur Leng, je vous en prie, monsieur Leng. Écoute, on n'a rien à gagner dans cette guerre. Il de reprendre le business de la cam aux abrutis qui ont pris ma relève, tu comprends? Tu sais quoi? Je vais rappeler ce salaud d'Anderson et lui dire qu'on a changé d'avis. Ouais. Numéro de monsieur Anderson, j'écoute. Bonjour mademoiselle, monsieur Anderson. Ils ont décidé de se montrer intraitables à l'égard des délais. Miss! Vous avez... Non, écoute, je t'assure que c'est absolument pas ce que tu crois. Je suis tiré, mais 7 de mes amis sont morts. 7 hommes sont morts pour que tu sois réélu. Et tu... Une offre qui tient toujours, tu sais. T'as 48 heures, mec. On veut temps et en heure. Et pas d'embrouille cette fois, Anderson. J'ai des hommes qui sont... Wayne, tu as ma parole d'honneur. Blacka, pauvre con. Je vais sortir la nuit. Il arrive en courant, sale renard. Regarde la tête qu'il va faire. Vous voulez? Nom de Dieu, si je m'attendais à ça, les crapules sont en train de buller. En sirotant des cocktails, qu'est-ce que vous faites ici? Qui? Teddy Brockshot, tu sais? Avant, il dealait dans la rue. Hein? Et tu sais où il se trouve? À cette heure-ci, au resto chez Junie. Mais avant, il faut que tu nous files un petit quelque chose, Gassi. Laisse-le tranquille, Max. C'est bon, fous la paix, Max, il est cool. On viendra plus tard. Souci, passez comme vous voulez. Mais arrange-toi pour avoir quelque chose de plus correct à nous. That's what I'm saying to you. Okay. Et ça, c'est un signe. J'espère que Brockshot est bien là. Ouais, d'accord. Fais-leur comprendre qu'on est parvenus pour jouer les touristes. Qu'attendent à South Beach? Je veux que t'ailles les chercher en sortant d'ici. Écoute, là, je mange, on verra ça plus tard. D'accord? Teddy, j'en ai marre que tu me fasses pour... Nom de Dieu. Regardez un peu qui est de retour. Ah. Hé, hey, oh! Que personne bouge! Lâche les armes! Bouge pas! Tu sais qui je suis? Hein? Quoi? J'ai un message pour toi, Brockshot. Quel genre de message t'as pour moi? La part... Ouais, ça va, je comprends. Tout ce que tu gagnes, ça veut dire que si tu vends un kilo de cocaïne, la moitié est pour moi. Doucement. Si je suis un escroc, toi, mon vieux, t'es un charognard. Ouais, mais j'ai compris. T'es sûr? Ouais, j'ai compris. Cool. Maintenant, tu vas... Chronomain. Ça va chier, et yo, Dangles. Ça fait longtemps que t'es un homme. Voyons, Teddy, tu vas pas... Outre. Je vais pas les laisser faire. Allons. Donne-le-nous. Quoi? On n'aime pas brutaliser les gens, on frappe jamais les gosses, on attend qu'ils grandissent et on les bute. T'as l'air d'avoir envie de crier, mon pauvre Big Man. Forcément autre chose quelque part. Bingo! T'as trouvé quelque chose, Max? Big Man! Sale menteur! Tu disais... Tout ce qu'on va trouver chez toi, on va le garder, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as à dire? Ça vaut mieux. Il doit pas avoir toute sa tête. Prenez l'herbe et laissez. Big Man est un type bien.
trouver des vêtements, des chaussures, des bijoux. Rien de neuf. T'as pas trop à te plaindre? Jolie bagnole. Trois fois rien. Il se passe toujours quelque chose pour toi, mec. Non, il se passe rien pour moi. Faudra que tu nous files quelque chose. J'ai rien à te donner, t'entends? Dégage! Dégage! Combien de mecs t'appellent chez toi? Je vais être jaloux, c'est Biggs. Je... Oui, super, ouais. C'est toi qui es vraiment super. À quelle heure tu passes me prendre? À quelle heure je passe te prendre? Je suis là, alors grimpe à l'arrière. Ravissante. Je suis amoureux de vous. C'est le modèle présidentiel. Incrusté de diamants. Président, je peux voir celle-là? C'est un modèle et pas connaître leur prix. Vous payez quand on a les moyens, on se fiche pas. Je vous ai présenté des excuses. Ouais, mais ça suffit pas. Je veux votre... Taille, d'accord? D'accord. La taille de vos tampons. 67 000 $. Coffret de vos montres. Pas besoin des coffrets, on les garde au poignet. Non, gardez les boîtes. Entendu. Quoi? Ça me rend dingue. Avec tout ça, t'as pas eu ce que tu voulais? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est ma ville parfaite. J'ai le patron ici. Une bouteille de champagne. C'est ma tournée. De toute façon, on s'en va. Bientôt, il rira moins, sale bâtard. Original bandolero, man. Cool, c'est le rock-shot. Il y a un patron, emmène-le. Tu vas dire au DJ de passer ses débits. Max, laisse-le. Tiens du dimanche. Gangster un jour, gangster toujours. Faut être neuf à part ça. Bien, Uber. Quel genre? Pour moi? J'en ai un bon. J'ai appris que des mecs de pas local livraient 50. Tous les mardis? Ouais, tous les mardis. T'es sûr de ce que tu dis? Ouais, c'est sérieux, mec. Ouais, tant que tu t'en vas. J'ai une super nana qui m'attend. Ouais, gangster. Où est ta copine? Je sais pas, tant pis, démarre! C'est le pognon cette fois, faut qu'il paye. Et au bon tarif. En fait. Dégueulasse qui est arrivé à Gussy l'autre soir. Gussy était de la Jamaïque, tu sais? Oh, c'est pour ça. T'as quelque chose pour moi? File-moi le paquet. Tiens, et à 30 000, enfoiré. Cool, monsieur Brockshot. S'en passe, mec-là. Il avait l'air aussi nerveux qu'un homme de 10 ans qui aurait pissé dans son froid. Tout ce qu'il mérite, c'est qu'on lui mette du plomb dans les fesses. Enfoiré. Faut saisir l'occasion. On y va. Ouais, je suis partant. C'est notre boulot, de toute façon. Ouais. Ils nous ont pas vus, ils mangeaient des beignets. Yo. En plus, le mec est tout seul. Tout va bien, Wayne? Qu'est-ce qui t'amène, Dingles? Je suis un ami. Vous n'êtes pas des débutants et côté résultat, je le dis, respect. Alors? Tant que je bute des types à tour de bras pour lui, j'ai même pas droit à une voiture. Mais écoute ça, qui va convoyer la thune jusqu'au mec chargé du transport vers l'île. Tous les trois, on n'a qu'à les descendre maintenant, ces gros fils de pute. Calme. Non, mec, les bagnoles, c'est pas notre truc et on n'est pas aussi... Je
préfère vous dire bonsoir. Ouais, patron. T'as raison, espèce ouais. d'enfoiré. Lui qui est né gangster restera toujours un gangster. Je vous passerai un coup de fil. Je t'ai dit, le type y sera. Ensuite, tu reviens à la maison et il l'écho sans faire de détour. Ah, elle a fait ça plusieurs fois, elle sait se défendre. Donne-moi ça. Dis donc, toi, j'aime pas trop ta façon de réagir. Je t'emmerde, connard, c'est pas un vieux... La nana de Teddy Brockshot vient de partir d'ici. Elle est dans un pick-up tout terrain rouge. Hey, où tu vas avec ça? Eh, hey, doucement avec ma guitare, c'est sacré ça, tu sais. Tu feras jamais fortune dans la musique. Et ta guitare, là, si tu veux qu'elle te rapporte. C'est un piège, Bangladesh nous a bien eu. Attention. Ça fait 10 minutes que je vois vos sales têtes de rat dans mon rétroviseur. Pas voir des mecs comme vous dans mon rétroviseur. T'as fini de chialer? On prie, enfoiré. Ils font chier, ces mecs. Des gangsters, et ben moi je vais leur coller une balle dans la tête à ces types. T'as pas le droit, t'entends, t'as pas le droit de dire ça. Je sais comment te mettre de bonne humeur, mec, je vais te raconter un jour. Le roi les invite tous les trois dans son domaine et il leur dit comme ça. Oh yeah. Dans le bassin, il y avait une vingtaine de requins affamés, tu vois. Mais chinois, c'est comment ils sont. Alors le blanc plonge dans le bassin à son tour. C'est comment ils sont, ils se croient toujours plus malins. Enfin bref, le blanc se fait bouffer. Il y a donc... Alors le roi arrive tout content et il lui fait formidable, mon garçon. Dis-moi ce que tu... Qui m'a poussé dans cette saloperie de bassin, hey. Yo, mon frère, t'as bien... Hé hey. Bonsoir. T'es vraiment inquiet pour toi. Raconte-moi. C'est fait, le problème. Tu veux que je te montre celle que j'ai pour toi? Je suis prêt. Hé hey. Amusez-vous bien, je vous rejoins plus tard, ok? Tu vas où? Faire une course. Je vais prendre une douche. Guess I'm writing this letter. Till I just wanna thank you for every little thing. Love will always find its home. Here but so long. Et tout ce qui gravite autour de lui soit liquidé. Débarrassez-moi de ce poison, compris? Ouais, gars, c'est comme si c'était fait. Nage et ressortir. S'ils sont pas tous ressortis au bout de 90 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous venez vous dire quoi? Il faut qu'on se fasse un peu... Mais relax. Faut que tu règles la clim moins fort. J'ai un mauvais pressentiment. C'est au sujet des... Le mec chez qui ils sont s'appelle Yatola, il habite à Fort Lauderdale. Viens avec nous. Qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas, du cinéma? C'est un bel endroit, je trouve. Hein? Et en plus, c'est à des kilomètres de... Hé, hey, Biggs, t'es vraiment sérieux? Ouais, j'ai bien réfléchi à tout, mec. Et toi, Max? J'en ai rien à foutre. Ça va? Ça va, poupée? Bonjour, mon amour. Mmh. T'es amoureux. Vous êtes pas de ça, hein? Vous savez pas ce que c'est? C'est ça, le PJB. Le pognon investi. Merci, je vais me mettre à jouer en bourse. Ouais, vous savez comment faire, tous les deux. Qu'on investisse. Le pour la route. D'accord. Dépêche-toi. Au fait... $23,000, tu te rends compte? Eh ouais, ça en c'est fait vrai. Des heures de boulot. Yeah, yeah. Oh, we could wash away my pain before the sun rises in the morning. Away my pain. I'm feeling in my sunrise in the morning. All of my day. Still they fight. As I forget my old life, and so I wish I'm feeling in my soul. I come on, people die.
In the city. But Lord, I saw where the sun shines so bright. But into the gun, and so I wish it would rain. I'm feeling in my soul, I pray my song. Rise in the morning, it's a bloodshed, don't end again. When? C'est maintenant. Accroche-toi, on sera bientôt à l'hôpital. Tiens le coup, Max. Mais pas normal. Que... Vite, venez m'aider, j'ai un blessé. Accroche-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, je l'ai trouvé sur la route. Sur Barbe. Il perd connaissance, vite! Ces chiens galeux. Champagne. Champagne. Sacrée petite bise. Alors ce champagne, ça vient. Qu'est-ce que tu veux, gangster? Que tu veux? C'est de l'argent que tu veux peut-être? J'ai plus de 7 millions de dollars. Calier. Sors de là, on va aller le tuer pas. Tout est là, Biggs. Et à 7 que j'avais été à toi, j'ai plus rien. Tu vois bien, tu m'as tout pris. Qu'est-ce que je... Living to die. Welcome to the fucking body.
Ils s'amusent. Ouais. Dans 6 mois, ils sont dans un gang. Ils l'ont abattu comme un lapin. Jack, tu m'entends? Tu vas m'en dire des nouvelles. Hé, hey, attendez-moi! J'ai buté cet enfoiré de balance! Salut, Sando. Comment ça va, les jeunes? Non, mais on ira demain, je te jure. Ouais, vous avez intérêt. Fais ce que t'as à faire, compris? Ouais, j'y vais. Salut. Saloperie de bagnole! De qui tu parles? De ce type. Capable de faire un boulot d'adulte, moi. C'est tant de pognon. Sûr qu'un jour t'en gagneras plein. J'espère que. Eh ben ton pote se trompe, mon gars. Je te l'avais dit. Ouais, mais toi aussi, tu te trompes. Jamais personne ne me fera peur. Sinon, moi, je sais où il y en a un. Où ça? Vas-y, dis-le-moi. Je vends rien à Starcy. En fait, je viens pas pour ça. Alors que... Ok. Salut, gamin. Toi, va le chercher, toi. Bon, rien. Oh. Hé, hey, Roll! Ouais, j'arrive. Va faire des courses, Jean. Prends 2 boîtes de sardines et du pain. Tourne en Amérique et dis à ta mère de te faire cuire un steak. Mauvaise graine. Et elle dit que je suis un bon à rien. Ouais. Ouvre la porte du couloir, la libre. Hey. Ouais. On y va. Ça arrive, tu t'es fait mal? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? D'accord, d'accord. Prenez le pognon, ne me tue pas. Nom d'un chien. Oh. Surveille les parages. Moi, je vais en donner une partie à Sando. La famille en Amérique? Mon père, mais je le connais pas. Et que je retourne chez ma mère. Bon, t'as qu'à venir. Je dirai à ma mère qu'il faut que tu vives chez nous. Viens là, toi, tourne au contrôle. Pensez à m'apporter quelque chose en contre. Errol Williams. Une question, alors réponds. Mike. Un type qui est parti vivre là-bas à l'école du crime et qui revient ici, nous dont on n'a pas besoin ici. Mais je suis là pour vous surveiller, tu sais. Agent Simpson? Oui, inspecteur.
Prenez. Voilà comment je vis, mon frère. Hey Bix, tu viens là que c'est devenu le gangster plus redouté de la Jamaïque, ah tu ouais sais. Ouais. Respect, mec. Good, ta baraque, mon frère. Encore un pas, il était mort. Qu'est-ce qui te prend, Max? Une lame, ça vaut rien contre un flingue. Gwen. C'est Blacka, hein, mon petit frère, tu te souviens de lui, pas vrai? Blacka, merde, ta chance encore au lit. Hein? Ouais, mais c'est plus un bébé. T'as vraiment. Et franchement, j'aurais préféré. T'en fais pas pour moi, Bix, tout va. D'accord. Tout va bien, bon, j'y vais, à plus, ok? À plus, mec. Ce sont de vrais monstres qu'on est en train de créer. Regarde. Ils toquent n'importe où et à n'importe qui. Ouais, et ils ont de l'appétit. Ouais. Tu vois tout ça, ce que je veux dire. J'ai... Écoute, mec, c'est grâce à toi tout ça. Parce que c'est. Je connais pas cette Jamaïque-là. Tant loin d'ici. 20 ans sans mettre les pieds sur cette putain d'île, tu te rends compte? Ça veut dire quoi, ça, putain de Jamaïque? Je brassais des millions de dollars aux États-Unis. Je contrôlais pas des mensonges. Alors tu comprends cette vie-là? Faut que je te dise un truc. Entreprises et commerçants, les types qui tiennent des bars ou des restos, ils nous payent. Pour leur sécurité. On est 100 fois plus efficace. Demande ce que c'est. Sinon, t'appelles ça comment, toi? Je dis que c'est du capitalisme. Faut que tu gagnes ta croûte. Si tu te laisses aller, les gens te traitent de sûr. Eh, tu sais, il fallait que je fasse devenir le patron de cette île. Ouais, pour deux. À votre service. Salut, poupée. Monsieur Chin, il y a des messieurs qui veulent vous voir. Monsieur Chin, vous avez le loyer? Écoutez, laissez-moi une semaine, là. Mais vous et moi, on a passé un accord. Ouais, sauf que vous... Yo, c'est ça votre vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'il croyait que c'était un jeu vidéo? Eh ben non, c'est pas un jeu, c'est la réalité. De Miami. De quel quartier? Viens de lui. Où est-ce que tu vas? Reviens, faut que j'aille pisser. Commande une autre bouteille de... Ah, vas-y. Non, je me souviens pas de toi, mais je te connais pas. Mais discute pas avec lui, bute-le. Bah, si, bute-le, je t'ai dit. Je souviens. Every time I hear the crack of a whip. Ils sont des bécanes. Police. Appuyez. Chercher, je trouve. Black. Je vois ce que tu veux dire, et t'as pas tort. Mais ça fait longtemps que cet enfoiré d'inspecteur s'est. Le politicien que je viens d'appeler. Politicien. Moi, je te jure, j'ai confiance en personne. Je suis curieux d'entendre.
Me ball risk. Inform alone, kidnap police friend. Respect. Asseyez-vous, messieurs, je vous en prie. Monsieur Andy. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation? Car je ne veux pas du... Mon petit frère, il n'avait pas à le tuer. Voyons, Wayne, vous êtes tous trop nerveux. Mon petit frère. Et cet inspecteur de merde veut mettre un terme à notre business, seulement sa conscription. Il va falloir que tu travailles avec moi, Wayne. À l'ambassade américaine. Je voudrais que tu quittes la Jamaïque. D'être élu dans un climat de violence. J'ai toute une communauté... Aller en Amérique pour l'instant. Les choses vont très bien ici pour moi en Jamaïque. Alors c'est... Pas d'autre solution, monsieur Andy? Vous voulez dire rien entendre comme moi et que vous voulez rien voir à ma façon? Et c'est un manque de respect de... Wayne! Ici Patrick Anderson, le député. Salut mon frère, ça va? Vous le connaissez bien. Inspecteur, je compte sur vous et votre équipe pour faire... La police! La police! Monsieur Leng, je vous en prie, monsieur Leng. Écoute, on n'a rien à gagner dans cette guerre. Il de reprendre le business de la cam aux abrutis qui ont pris ma relève. Tu comprends? Tu sais quoi? J'ai rappelé ce salaud d'Anderson et lui dire qu'on a changé d'avis. Ouais. Bureau de monsieur Anderson, j'écoute. Bonjour mademoiselle, monsieur Anderson. Ils ont décidé de se montrer intraitables à l'égard des délais. Miss. Vous avez... Wayne, non, écoute, je t'assure que c'est absolument pas ce que tu crois. Je suis tiré, mais 7 de mes amis sont morts. 7 hommes sont morts pour que tu sois réélu. Et tu... Une offre qui tient toujours, tu sais. T'as 48 heures, mec. On veut temps et en heure. Et pas d'embrouille cette fois, Anderson. J'ai des hommes qui sont... Wayne, tu as ma parole d'honneur. Blackout, pauvre con. On va sortir la ville. Il arrive en courant, sale renard. Regarde la tête qu'il va faire. Vous voulez? Nom de Dieu, si je m'attendais à ça, les crapules sont en train de buller. En sirotant des cocktails, qu'est-ce que vous faites ici? Qui? Teddy Brockshot, tu sais? Avant, il dealait dans la rue. Hein? Et tu sais où il se trouve? À cette heure-ci, au resto chez Junior. Mais avant, il faut que tu nous files un petit quelque chose, Gassi. Laisse-le tranquille, Max. C'est bon, on fout la paix, Max, il est cool. On viendra plus tard. Souci, passez comme vous voulez. Mais arrange-toi pour avoir quelque chose de plus correct à nous. That's what I'm saying to you. Okay. Et ça, c'est un signe. J'espère que Brockshot est bien là. Ouais, d'accord. Fais-leur comprendre qu'on est parvenu pour jouer les touristes. Qu'attendent à South Beach? Je veux que t'ailles les chercher en sortant d'ici. Écoute, là, je mange, on verra ça plus tard. D'accord? Teddy, j'en ai marre que tu me fasses pour... Nom de Dieu. Regardez un peu qui est de retour. Ah. Hey, oh! Que personne bouge! Lâche-moi, arrête-moi, toi! Bouge pas! Tu sais qui je suis? Hein? Quoi? J'ai un message pour toi, Brockshot. Quel genre de message t'as pour moi? La part... Ouais, ça va, je comprends. Tout ce que tu gagnes, ça veut dire que si tu vends un kilo de cocaïne, la moitié est pour moi. Doucement. Si je suis un escroc, toi, mon vieux, t'es un charognard. Ouais, mais j'ai compris. T'es sûr? Ouais, j'ai compris. Cool. Maintenant, tu vas... Chronomain. Ça va chier, et yo, Dangles. Ça fait longtemps que t'es un homme. Quoi?
Voyons, Teddy, tu vas pas... Outre. Je vais pas les laisser faire. Allons. Donne-le-nous. Quoi? On n'aime pas brutaliser les gens, on frappe jamais les gosses, on attend qu'ils grandissent et on les bute. T'as l'air d'avoir envie de crier, mon pauvre Big Man. Forcément autre chose quelque part. Bingo! T'as trouvé quelque chose, Max? Big Man! Sale menteur! Tu disais que tout ce qu'on va trouver chez toi, on va le garder, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as à dire? Ça vaut mieux. Il doit pas avoir toute sa tête. Prenez l'herbe et les... Big Man est un type bien. Des vêtements, des chaussures, des bijoux. Rien de neuf. T'as pas trop à te plaindre? Jolie bagnole. Trois fois rien. Il se passe toujours quelque chose pour toi, mec. Non, il se passe rien pour moi. Comme... Faudra que tu nous files quelque chose. J'ai rien à te donner, t'entends? Dégage! Dégage! Combien de mecs t'appellent chez toi? Je vais être jaloux, c'est Big. C'est toi qui es vraiment super. À quelle heure tu passes me prendre? À quelle heure je passe te prendre? Je suis là, alors grimpe à l'arrière. Ravissante. Je suis amoureux de vous. C'est le modèle présidentiel. Incrusté de diamants. Le président, je peux voir celle-là? C'est un modèle et pas connaître leur prix. Vous payez quand on a les moyens, on se fiche pas. Je vous ai présenté des excuses. Ouais, mais ça suffit pas. Je veux votre... Taille, d'accord? D'accord. La taille de vos tampons. 67 000 $. Coffret de vos montres. Pas besoin des coffrets, on les garde au poignet. Non, gardez les boîtes. Entendu. Quoi? Ça me rend dingue. Avec tout ça, t'as pas eu ce que tu voulais? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est ma vie parfaite. Je suis le patron ici. Là, une bouteille de champagne. C'est ma tournée. Et de toute façon, on s'en va. Bientôt, il rira moins, sale bâtard. C'est nous, c'est original bandelier, man. Cool, c'est moi, Chuck. Il a patron, emmène-le. Tu vas dire au DJ de passer ses débits. Max, laisse-le. Faire du dimanche. Faire un jour, gangster toujours. Faut être neuf à part ça. Il y a un Uber. Quel genre? Pour moi? J'en ai un bon. J'ai appris que des mecs de pas local livraient 50. Tous les mardis? Ouais, tous les mardis. T'es sûr de ce que tu dis? Ouais, c'est sérieux, mec. Ouais, tant que tu t'en vas. J'ai une super nana qui m'attend. Ouais, gangster. Où est ta copine? Je sais pas, tant pis, démarre! C'est le pognon cette fois, faut qu'il paye. Et au bon tarif. En fait. Dégueulasse qui est arrivé à Gussie l'autre soir. Gussie était de la Jamaïque, tu sais? Oh, c'est pour ça. T'as quelque chose pour moi? File-moi le paquet. Et à 30 000, enfoiré. Cool, monsieur Brockshot. S'en passe, mec-là. Il avait l'air aussi nerveux qu'un homme de 10 ans qui aurait pissé dans son front. Tout ce qu'il mérite, c'est qu'on lui mette du plomb dans les fesses. Enfoiré. Faut saisir l'occasion. On y va. Ouais, je suis partant.
C'est notre boulot, de toute façon. Ouais. Ils nous ont pas vus, ils mangeaient des beignets. Yo. En plus, le mec est tout seul. Ça sera encore pour moi. Tout va bien, Wayne? Qu'est-ce qui t'amène, Dingles? Je suis un ami. Vous n'êtes pas des débutants et côté résultat, je le dis, respect. Alors, tant que je bute des types à tour de bras pour lui, j'ai même pas droit à une voiture. Mais écoute ça, qui va convoyer la thune jusqu'au mec chargé du transport vers l'île. Tous les trois, on n'a qu'à les descendre maintenant, ces gros fils de pute. Calme. Non mec, les bagnoles, c'est pas notre truc et on n'est pas aussi... Je préfère vous dire bonsoir. Ouais, patron, t'as raison, espèce ouais. De foiré. Celui qui est né gangster restera toujours un gangster. Je vous passerai un coup de fil. Je t'ai dit, le type y sera. Ensuite, tu reviens à la maison et il l'écho sans faire de détour. Ah, elle a fait ça plusieurs fois, elle sait se défendre. Donne-moi ça. Dis donc, toi, j'aime pas trop ta façon de réagir. Je t'emmerde, connard, c'est pas un vieux... La nana de Teddy Brockshot vient de partir d'ici. Elle est dans un pick-up tout terrain rouge. Hey, où tu vas avec ça? Hey, doucement avec ma guitare, c'est sacré ça, tu sais. Tu feras jamais fortune dans la musique et ta guitare, là, si tu veux qu'elle te rapporte. C'est un piège, Dingles nous a bien eu. Attention. Ça fait 10 minutes que je vois vos sales têtes de rats dans mon rétroviseur. Pas voir des mecs comme vous dans mon rétroviseur. T'as fini de chialer? Compris, enfoiré. Des gangsters, et ben moi je vais leur coller une balle dans la tête à ces types. T'as pas le droit, t'entends, t'as pas le droit de dire ça. Je sais comment te mettre de bonne humeur, mec. Je vais te raconter un jour. Le roi les invite tous les trois dans son domaine et il leur dit comme ça. Oh yeah. Dans le bassin, il y avait une vingtaine de requins affamés, tu vois. Mais les Chinois, c'est comment ils sont. Alors le blanc plonge dans le bassin, son tour. C'est comment ils sont, ils se croient toujours plus malins. Enfin bref, le blanc se fait bouffer. Il y a donc... Alors le roi arrive tout content et il lui fait formidable, mon garçon. Dis-moi ce que tu... Qui m'a poussé dans cette saloperie de bassin, hey. Yo, mon frère, t'as bien... Hé hey. Bonsoir. T'es vraiment inquiet pour toi. Raconte-moi. C'est fait, le problème. Tu veux que je te montre celle que j'ai pour toi? Je suis prêt. Hé hey. Amusez-vous bien, je vous rejoins plus tard, ok? Tu vas où? Faire une course. Je vais prendre une douche. Just wanna thank you for every little thing. Your love will always find its home here, but so long you've been gone. Poiré et tous ceux qui gravitent autour de lui soient liquidés. Débarrassez-moi de ce poison, compris? Ouais, c'est comme si c'était fait. Nage et ressortir. S'ils sont pas tous ressortis au bout de 90 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous venez nous dire quoi? Il faut qu'on se fasse un peu... Mais relax. Faut que tu règles la clim moins fort. J'ai un mauvais pressentiment. C'est au sujet des... Le mec chez qui ils sont s'appelle Yatola, il habite à Fort Lauderdale. Viens avec nous. Qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas, du cinéma? C'est un bel endroit, je trouve. Hein? Et en plus, c'est à des kilomètres de... Hé, hey, Big, t'es vraiment sérieux? Ouais, j'ai bien réfléchi à tout, mec. Et toi, Max? J'en ai rien à foutre.
va? Ça va, une poupée? Bonjour, mon amour. On est amoureux. Vous êtes pas de ça, hein? Vous savez pas ce que c'est? C'est ça, le PIB. Le pognon investi. Merci, je vais me mettre à jouer en bourse. Ouais, vous savez comment faire, on tous les deux. Pour qu'on investisse. Le pour la route. D'accord. Dépêche-toi. Au fait. $23,000, tu te rends compte? Eh ouais, ça en c'est fait vrai. Des heures de c'est It could wash away my pain before the sun rise in the morn. Away my pain, I'm feeling in my sunrise in the morn. All of my debt, all the fight of still they fight. I forget my old life, and so I wait. I'm feeling in my soul like the morn. I'm dying in the city, but Lord, I saw where the sun shines so bright. But I'm to the gun, and so I wish it would rain. I'm feeling in my soul, I pray my son. Rise in the morning, it's a bloodshed, don't end again. When? À genoux. Sale fils de pute. T'as tué mon... Tous les gangsters doivent mourir un jour. Ben, en ce qui te concerne, c'est maintenant. Accroche-toi, on sera bientôt à l'hôpital. Tiens le coup, Max. Mais pas normal. Que... Vite, venez m'aider, j'ai un blessé. Accroche-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, je l'ai trouvé sur la route. Il est sur pare-brise. Il perd connaissance. Vite! Baiser, c'est chien galeux. Champagne. Champagne. Alors ce champagne, ça vient. Qu'est-ce que tu veux, gangster? Que tu veux? C'est de l'argent que tu veux peut-être? J'ai plus de 7 millions de dollars calier. Sors de là, on va aller le tuer pas. Tout est là, Biggs. Et à celle que j'avais est à toi. J'ai plus rien, tu vois bien, tu m'as tout pris. Qu'est-ce que je... Oh, Mom, wish you were a real...
Let's go, soldier. You live. I got my mind made up. I'm on fatigues and I'm ready for war. Yeah, soldiers, make sure you dig them deep. Cause the only way to survive. My motherfuckers are just living to die. Well, come to fuck about you for a second. You might as well be deceased. Little soldier, you're right. Little soldier, you live. Respect it and check it. It's outside by my slang. Still ain't gonna stop until the butt don't kill me. It's out of squeeze on my trigger until it's empty.